Voilà, gloire à Dieu. Donc, nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et vous, peut-être, qui êtes nouveaux sur le site. Que le Seigneur vous bénisse donc glorieusement. Nous allons parler aujourd'hui d'un domaine qui nous intéresse tous, la souffrance. La souffrance. Qui n'a pas souffert? Qui ne souffre pas? Qui ne souffrira pas? Dès que nous sommes nés, nous avons commencé à pleurer, vous voyez, et nous avons parfois continué au travers de notre vie. Mais nous allons aborder le sujet de la souffrance par rapport à ce que les Écritures nous enseignent. Alors, si vous voulez bien, nous allons lire un passage dans le livre de Job, et vous connaissez évidemment Job pour ses souffrances, hein, Job chapitre 7, et à partir du verset 1er. Job chapitre 7, verset 1er, et là évidemment, donc, Job est un élément de référence, évidemment, par rapport à la souffrance, puisque même le Nouveau Testament parle de lui, donc, comme étant un exemple de persévérance dans la sombre vallée de la souffrance. Job chapitre 7, et au verset 1er. Alors, il est écrit « Le sort de l'homme sur la terre » et celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserin. Ils s'évanouissent, je n'ai plus d'espérance. Et il dit au Seigneur, souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus, ton œil me cherchera et je ne serai plus. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs. Nous te demandons de nous aider, toi qui as été l'homme qui a souffert le plus ici-bas sur cette terre. Tu es descendu non pas au fond de la vallée de la souffrance, mais au fond du fond. Seigneur, tu as été jusque sur la croix du calvaire, cette croix ignominieuse, cette croix honteuse sur laquelle tu as souffert pour expier nos péchés affreux. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. C'est donc Job qui, au travers de ses souffrances, eh bien, va parler. J'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Donc, il se couche. Et il se dit, quand est-ce que le jour va arriver? Et on voit donc qu'il est continuellement là, au travers de cette épreuve terrible qu'il est en train de subir. Donc, il souffre. L'homme naît pour souffrir, dit-il au chapitre 5 et au verset 7. L'homme naît pour souffrir comme, et il a un exemple, l'étincelle pour voler. C'est-à-dire qu'il y a une loi naturelle. Cette loi naturelle déclare que l'étincelle, eh bien, s'élève, elle s'envole. Hein, vous l'avez vu, même si vous craquez une allumette, toc, hein, ça va vers le haut, généralement. Et particulièrement, donc, c'est une loi naturelle. Et l'homme, eh bien, aussi, il y a une loi naturelle pour lui, c'est la souffrance. Nous allons parler de ce sujet, évidemment, qui nous intéresse au plus haut point. Où a commencé la souffrance? Quel a été le début de la souffrance? Y a-t-il toujours eu de la souffrance ici-bas sur cette terre? Eh bien, le début de la souffrance commence dans la Genèse, chapitre 3 de la Genèse.
quand, lorsqu'il y a eu rébellion d'Adam contre Dieu, la souffrance a commencé à couler, à faire son chemin ici-bas sur cette terre. Auparavant, les souffrances étaient étrangères à l'homme, à Adam et Ève. Aucune souffrance, nulle part, voyez, un lieu paradisiaque, un environnement parfait. Hein? Donc, il n'avait aucune souffrance. Mais dès que le péché est entré dans le monde, la souffrance a commencé, les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont commencé à couler. Ça a été le début. L'enfantement s'est passé depuis ce temps-là avec des cris et des douleurs, et vous l'entendez encore dans les hôpitaux. On a le travail qui se fait avec de la sueur sur le front, avec dureté, avec, je dirais, des besoins de se reposer. Pourquoi ? Parce que c'est un travail ardu. Et le travail, eh bien, auparavant, ne se faisait pas avec douleur, avec, je dirais, c'était quasiment un repos. Hein, mais dès que le péché est entré, eh bien, les choses ont changé. La terre a commencé à porter des ronces, la terre a commencé à porter des mauvaises herbes. Et on subit donc encore aujourd'hui, jour après jour, les conséquences de cette chute. C'est la chute. C'est vrai, nous sommes sauvés, nous chrétiens, hein, par le sang de Jésus. On est unis vraiment au Seigneur Jésus. On est préparés à un destin, je dirais, indescriptible, incomparable. Mais, nous devons, entre-temps, traverser cette vallée de larmes. Et je dis bien traverser. Traverser, parce qu'on ne restera pas tout le temps dans cette vallée de larmes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. On sait particulièrement que le psaume 84 nous parle de la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Hein. Donc nous devons tirer des leçons pour, je dirais, s'encourager. On a besoin de courage, on a besoin d'exemples de souffrance. D'exemples de gens qui ont passé par la souffrance avec le Seigneur et qui en sont sortis victorieux. Eh bien, nous avons cela donc dans Jacques chapitre 5, où là on est incité à regarder, donc à observer, à étudier l'exemple de ces hommes-là hein, ou de ces femmes-là. Hein. La Bible dit ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, on parle des chrétiens, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge, le vrai juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance. Tiens, Jacques chapitre 5, versets 9 et 10, donc, prenez pour modèle de souffrance. Ça veut dire qu'il y a des modèles, hein, et nous avons des modèles. Et par exemple, le grand modèle, eh bien, il est cité ici dans ce passage, hein, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes. Ce sont plusieurs, les prophètes ont toujours été haïs. Les prophètes de Dieu ont toujours été repoussés, rejetés, moqués, ridiculisés parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Donc prenez pour modèle de patience, de souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert, donc souffert patiemment. Hein, il faut souffrir, non pas en se rebellant, mais souffrir patiemment. Vous avez entendu parler de, tiens, la patience de Job. Donc, Job est un exemple de souffrance. Vous avez entendu parler de la persévérance, la patience de Job, et vous avez vu, hein, en lisant la fin du livre hein, de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, parce que le Seigneur est plein, rempli, de miséricorde et de compassion. Voilà. Donc, on a mis la table, et là, nous allons entrer dans ce sujet, donc très important, de la souffrance. Ceux qui ont souffert. Alors, quand on souffre, quand nous arrive quelque chose qui nous fait souffrir, généralement, il y a
un questionnement qui arrive dans nos cœurs. Ah, très vite, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui. Donc, souvent, on se pose la question, on relie ce qui nous arrive à quelque chose que nous ne connaissons pas. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi cette chose-là est en train de m'arriver? Alors, on peut dire, Dieu est injuste, je le sers, je l'aime, je suis fidèle le mieux possible. Hein, pourquoi Dieu permet cette chose-là dans ma vie? Dieu est injuste. Alors, où on peut dire, tiens, Dieu est en train de me punir pour un péché que je ne connais pas. Un péché inconnu. Et peut-être le diable est assez fort pour dire peut-être un péché que tu as fait quand, avant que tu sois sauvé. Alors que le Seigneur, lui, eh bien, couvre tout cela, pardonne, oublie. Oui, mais c'est un questionnement, je dirais, humain que l'on peut se faire. Pourquoi cette chose est en train de m'arriver? Ou bien on dit Dieu est injuste, hein, ou bien il me punit pour un péché inconnu, ou bien il dit je ne mérite pas donc de souffrir. Alors, il faut faire la différence entre une punition et un châtiment. Oui. Il y a une différence. Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu va revenir, Jésus va revenir avec une flamme de feu du haut du ciel pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile dans Thessaloniciens. Oui. Donc, il y a une différence. Alors, c'est vrai que Dieu châtie parfois ses enfants. Mais les épreuves ne sont pas toujours des châtiments. Pas toujours. N'oublions pas ce que la Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, et ainsi de suite. Dieu n'est pas injuste. Donc, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, ce qui m'arrive, c'est parce que tu es injuste. Non, je ne peux pas dire une chose semblable. Vous vous rappelez quand Abraham donc, a entendu parler de la destruction à l'avance de Sodome et de Gomorrhe, et il est allé devant le Seigneur et il s'est mis à prier. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu vas faire périr le juste avec le méchant ensemble? Paf, voyez, le juste avec... Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr, hein, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Dieu n'est pas injuste. Il avait raison, Abraham. Hein. Abraham va dire au Seigneur, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Ouais. Donc, Abraham connaît Dieu et il sait que Dieu n'est pas injuste. Et nous, qu'on le dise verbalement ou qu'on le dise dans notre cœur, parfois lorsque quelque chose de très dur nous arrive et qui nous fait souffrir, pourquoi Seigneur? Tu es injuste, tu n'es pas correct, Seigneur. Hein? on le dit peut-être à notre manière, mais on peut le ressentir. Non, Dieu n'est pas injuste. Ouais. Et on se rappelle la femme de Job qui dit à son mari au travers de son épreuve, « Maudit Dieu et meurs! Regarde ce qui est en train de t'arriver! Hein? » Nous avions 10 enfants, il n'y en a plus un. Tous morts. Imaginez, Job et sa femme sont allés tout seuls au cimetière, enterrés 10 corps. C'est quelque chose. Ensuite, pire que ça, il perd sa santé, cancéreux de la tête aux pieds. Il perd sa réputation.
Ses amis, les enfants commencent à rire de lui, se moquer de lui, alors qu'auparavant il était révéré, il était honoré, c'était un homme très important au Moyen-Orient à cette époque-là. Peut-être l'un des plus grands hommes de son époque. Il perd tout. Imaginez, vous avez entendu parler de la patience de Job. Prenez pour modèle de souffrance. On a des modèles de souffrance. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui n'est pas prêché, qui n'est plus prêché dans les églises aujourd'hui. On va vous prêcher comment avoir du succès, comment vous épanouir, comment réussir dans la vie, comment avoir de l'estime pour vous-même, comment plonger dans les livres de psychologie, ainsi de suite. Ce n'est pas l'Évangile. Ce que je suis en train de dire, la souffrance fait partie de l'Évangile. Ça fait partie intégrante, voyez. Et donc, ce que nous voyons là, ici, eh bien, ce que les souffrances, les épreuves auxquelles nous sommes soumis, les difficultés, ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des punitions. S'il y a des mauvaises actions que nous avons commises, on peut être châtié parce que on a mal agi. Et la Bible dit, ne méprise pas la correction du Seigneur. Ouais. Ne te décourage pas lorsque Dieu te reprend. Se faire reprendre n'est jamais très intéressant. Voyez. Mais, donc, si ça peut arriver, que pour grandir, nous qui sommes parents, si vous ne reprenez pas jamais vos enfants, vous allez élever un délinquant. Vous allez élever un buisson, hein, une ronce, un paquet de ronces. Hein. Donc c'est normal. Et Dieu, nous, étant ses enfants, les enfants de Dieu, on est nés à la nouvelle naissance, on est nés, mais on est loin d'être parfait, on est des bébés. Et là, on doit grandir, il y a le lait, il y a les soins, et ainsi de suite. On tombe, on chute, on se relève, tout ça. Non, on est dans la famille, tout ça. Et le Seigneur, donc, va me châtier ici et là pour me faire marcher dans le droit chemin. Et généralement, on apprend par les bleus des coups. On apprend bien, là. Là, c'est la meilleure manière, vous voyez. Donc, quand vous avez un bon bleu, vous voyez, ça, là, vous commencez à apprendre. Et Dieu est un bon Père, merci Seigneur. Notre Père, voyez, alors, notre Père. Donc, c'est un petit peu comme cela. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Si Dieu ne nous châtiait pas pour ce que nous avons fait de mauvais, eh bien, il y aurait toujours des problèmes dans nos vies du matin au soir. Du matin au soir. Hein. Et la Bible dit que, heureusement, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et même, nous avons quelque chose de merveilleux dans la parole de Dieu, hein, qui représente ce que nous avons dit lorsque nous avons été sauvés. J'ai péché, hein, j'ai violé la justice, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme du séjour des morts, de l'enfer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est Jésus, évidemment, qui, sur la croix, a payé le prix de notre culpabilité, il a payé notre dette. Nous le chantons quand on arrive dans ce chant, « Tu as payé, moi, ça me frappe à chaque fois, tu as payé. » Vous voyez, la prochaine fois que vous le chanterez, vous voyez, vous y penserez. Il a payé, alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Donc, alléluia, et on sait que le salaire du péché, c'est évidemment la mort. Jésus en est mort sur la croix. Tous nos péchés ont été rassemblés sur son compte à la croix de Golgotha. Et il a été puni pour nous, donc, et ça serait injuste si Dieu, maintenant, demandait un double paiement. Il fallait que je paye encore, donc, pour être sauvé. Hein, je ne peux pas être sauvé deux fois, trois fois, ainsi de suite, voyez. Et moi, payer, donc, pour mes péchés, absolument pas. Dieu n'exige pas un double paiement. Notre dette est réglée, tout est payé. Hein.
Et Dieu, donc, ne nous a jamais demandé de supporter le poids, la culpabilité de notre passé qui est enfoui totalement donc, dans la mer de l'oubli. Hein, et la Bible nous répète ça, nous martèle ça, nous rabâche ça fois après fois pour qu'on s'en rappelle bien, parce que le diable, lui, veut faire remonter le passé. Il veut faire remonter la poubelle. Vous voyez, il veut nous rappeler, évidemment, donc, tout notre méchant passé. Alors, on ne paye pas une deuxième fois. Dieu ne punit pas son enfant, mais il le discipline. Il le discipline, voyez. Et on affronte ainsi l'épreuve sous une autre optique. On accepte avec joie la discipline parce que Dieu a un but. Quel est ce but? De devenir conforme à l'image de son Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une prédestination. Selon Romains 8, Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Alléluia. Donc, il faut bien regarder l'exemple de Jésus. Amen. Un homme de souffrance est habitué à être rejeté, à donc souffrir. Hein? Ésaïe 53. Et on sait particulièrement donc que Dieu, évidemment, donc, veut reproduire en nous l'image de son Fils. C'est le but ultime du Seigneur, reproduire en nous l'image de son Fils. Vous vous rappelez l'histoire de Jérémie, hein, Jérémie, Dieu va lui demander de descendre à l'échoppe du potier, hein, et il descend la rue, tout ça, il rentre dans l'échoppe, et Dieu lui dit, regarde bien maintenant, regarde le potier, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il prend donc un paquet d'argile, tout ça, et il la met sur le tour. Vous voyez, pas la tour, le tour, vous voyez, au masculin. Et donc, il appuie sur une pédale, vous voyez, en bas, et le tour commence à tourner, et le potier, donc, forme un beau vase avec l'argile qui est là entre les mains. Et Dieu de dire, ainsi vous êtes dans ma main. Hé, Jérémie, regarde bien, comme ça, comme le potier. C'est moi le potier, et vous, vous êtes l'argile. Et vous êtes dans ma main. Alléluia. Donc, c'est ainsi que Dieu veut former l'image de son Fils. Paul va dire, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Alléluia. Cela nous soutient. Cela nous encourage, parce que c'est vrai. Aucune comparaison. Donc, on va supporter, on va rentrer la tête dans les épaules, hein, on va faire face au vent, à l'orage, et on va aller de l'avant sans reculer. Amen. En avant, marche. Une, deux. Alléluia. Comme une armée. Que Dieu soit béni. Hein? J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Chaque artiste, chaque ouvrier, chaque artisan connaît très bien le matériel dont il se sert. Hein, les instruments pour sculpter, les pinceaux pour peindre, l'argile pour le potier, la poterie, l'acier pour faire une montre, ainsi de suite. Donc, les artisans, les artistes connaissent très bien les éléments, donc les matériaux avec lesquels donc, ils travaillent pour atteindre le but fixé. Il y a un but. Et Dieu travaille, je dirais, avec des personnes. Il travaille avec nous. Il nous travaille. Il nous laboure, voyez. Hein? Il nous discipline. Et Dieu n'utilise pas les mêmes instruments pour les mêmes personnes. Il y a de toutes sortes d'instruments, voyez. Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La condition dans ce verset, c'est aimer Dieu. Tout à l'heure, j'étais dans le parking, j'ai parlé au Seigneur, et j'ai dit, Jésus, je t'aime. Mais j'ai dit d'une autre manière. J'ai dit, je t'aime parce que tu es mon maître. Parce que dans la Bible, un esclave qui se trouve très bien dans la maison de son patron peut lui dire, je ne veux pas retourner libre, je veux rester dans ta maison, patron. Alors, regarde, parce que j'aime mon maître. Et je lui ai dit dans le parking, alléluia, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Tu es mon maître et je veux rester dans ta maison pour l'éternité. Alléluia.
tu m'as amené vers la porte, tu as pris ton marteau, tu m'as poinçonné l'oreille. Alors, mon oreille maintenant est ouverte et j'entends ta voix. Vous lirez ça dans Exode, ça parle, c'est la loi de l'esclave. Alléluia. C'est merveilleux, alléluia. J'aime mon maître. J'aime mon maître. Nous l'avons chanté au début, amen. Gaëtan nous avait chanté ça ce soir. Hein? Je t'aime, Seigneur, alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important, d'aimer vraiment notre maître. Dieu travaille avec des personnes, alléluia. Et certains, donc, sont malléables, hein, comme l'argile entre les mains du potier. Certains sont malléables entre les mains de Dieu, et d'autres ont les coups raides. D'autres ont les coups raides, hein, ils ont le cœur plus dur, et ils ne veulent pas se soumettre, hein, et ils résistent à l'œuvre que Dieu voudrait faire dans leur propre vie. Et on voit particulièrement donc le cas de Job, toutes ses possessions matérielles ont disparu quasiment du jour au lendemain. Plus rien. Imaginez votre maison, vous ne l'avez plus. C'est fini, elle a disparu, vous avez été enlevé ou quoi que ce soit, ou est arrivé un ouragan, il n'y a plus rien. Est-ce que vous allez quand même avoir la joie de votre salut? Malgré ça, Job a tout perdu. Toutes ses possessions matérielles ont été perdues. Disparition des êtres les plus chers, des enfants. Y a-t-il un lien plus fort que des parents avec les enfants? Tout perdu. 10 enfants, 3 filles, 7 fils, qui s'aimaient, qui parlaient ensemble, qui se donnaient des repas chez les uns, chez les autres. Il y avait une vraie belle fraternité, donc au travers des fils et des filles de Job. Tout perdu, tous morts. Perdre sa position aussi. Détérioration de sa santé. Très peu de personnes ont souffert comme Job. Ses amis, d'aucun secours. Ses amis ont vu, sont venus, et ont dit, Job, on ne veut pas trop te le dire, mais il doit y avoir quelque chose que tu nous caches. Parce qu'il doit y avoir du péché quelque part dans ton cœur. Une chose semblable ne peut pas arriver comme ça. D'aucun secours. D'aucun secours. Ses amis ont abordé la situation d'une façon rationnelle, traditionnelle, expérimentale. Et donc, ce que Job a appris au travers de son épreuve, parce que l'épreuve ne dure pas tout le temps, ça finit un jour, vous voyez. Aucune épreuve ne vous est arrivée qui soit surhumaine, c'est humain, 1 Corinthiens 10-13, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de votre force, de votre capacité de résistance. Et il n'y a que Dieu qui connaît la capacité de résistance à laquelle nous pouvons être soumis. Mais il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et tu vas supporter mon frère, et tu vas supporter ma sœur, parce que Dieu t'aime et il connaît, je dirais, la hauteur de breaking point, voyez, l'endroit où tout va casser, où le Seigneur ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Et à la fin, Job va dire, Seigneur, je reconnais, je reconnais que tu peux tout, rien ne s'oppose à tes pensées, rien, tu peux tout. Job est un homme selon le cœur de Dieu. On a entendu parler de David. David, un homme selon le cœur de Dieu, mais Job est aussi un homme selon le cœur de Dieu. Il était juste, intègre, se détournant du mal. Job, 1er chapitre, verset 1er.
Job est un homme qui s'occupe de son foyer au point de vue biblique. Il sait ouvrir la Bible, il sait prier, il sait rendre grâce au repas. Donc, il honore le Seigneur. Et quand ses fils et ses filles se rencontrent, il se dit au fond de son cœur, peut-être qu'ils ont péché. Peut-être qu'ils ont dit au travers de leur conversation des choses mauvaises ou quoi que ce soit. Alors, Job offrait un sacrifice en leur faveur. Imaginez. C'est tout un père, c'est tout un homme juste, un homme intègre, se détournant du mal. Voyez. Donc, il va avoir une relation personnelle avec Dieu, très personnelle. Il connaît Dieu, mais à la fin, il dit, je reconnais que tu peux tout. Ça veut dire qu'il le connaissait, mais il ne le connaissait pas suffisamment. Il y avait encore des choses à apprendre. Et le moment où je pense que je sais tout sur Dieu, je deviens un ignorant. Parce que nous ne connaissons qu'un tout petit peu sur Dieu. Tout petit. Il est si grand, si puissant, si majestueux. Voyez, imaginez. La terre rentre 1 million de fois dans le soleil. Et dans certaines planètes, le soleil y rentre 1 million de fois. Je connais très peu. Job, au travers de l'épreuve, va entendre le Seigneur lui dire, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» T'es où ? Il a la bouche fermée. Il est humilié par la puissance de Dieu. Dieu veut lui faire un cours d'astronomie, il veut lui faire un cours de biologie, il veut lui parler de l'hippopotame, du cheval, il veut lui parler des étoiles, les anges qui chantaient lors de la création. Mais où étais-tu, Job? Pourtant, c'est un homme qui aime Dieu, qui est intègre. Je reconnais que tu peux tout. Dans ses souffrances, Job va découvrir Dieu d'une façon toute nouvelle, d'une façon toute fraîche qu'il ne connaissait pas auparavant. Et il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Il y a une différence entre voir et entendre. Il a vu Dieu à l'action. Auparavant, il avait entendu parler. Maintenant, il voit. Alléluia. Donc, il a une nouvelle relation intime, toute nouvelle, avec le Seigneur. Et on voit donc que Dieu n'est pas seulement un Dieu saint, acceptant donc des sacrifices sanglants, mais il est un Dieu fort, un Dieu majestueux, un Dieu que l'on doit adorer. Adorer. Et particulièrement, la Bible déclare que Job va voir une délivrance. À la fin de sa vie, Dieu va remplacer le même nombre d'enfants qu'il avait auparavant et va en avoir à la fin autant, une dizaine. Il a perdu 10 enfants, Dieu va lui donner 10 nouveaux enfants. Et ses filles étaient les plus belles de tout le Moyen-Orient. Imaginez, Dieu est tout-puissant. Mais s'il est passé au rouleau compresseur. Il est passé au travers de l'épreuve. Vous avez entendu parler de Job. Un modèle de souffrance. Et la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Les hommes pieux, pas n'importe qui. Les hommes pieux, des hommes de piété, des hommes qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, cette sorte de personne-là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On sait les 3 Hébreux. À Babylone particulièrement, donc, ils ont dit, en regardant le roi enragé,
Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Notre Dieu peut. Il a le pouvoir, le power, donc de nous délivrer de la fournaise ardente. Et deuxièmement, Job a appris quelque chose. Savez-vous ce qu'il a dit à la fin de l'épreuve ? Je me condamne. C'est un homme de foi. Et il dit, je me condamne. Ça veut dire qu'il va voir la puissance de Dieu, il va voir sa petitesse, et il va quasiment se repentir. Je me repens, et il le dit, sur la poussière et sur la cendre. Peut-être que Job se fiait dans sa justice personnelle. Je suis bon, j'offre des sacrifices à Dieu, je me lève de bon matin, je le prie, je fais ci, un peu comme un chrétien, il dirait, Seigneur, ben, je mérite le meilleur parce que moi, je paye ma dîme, je vais aux réunions, j'aime l'Église, je lis ma Bible, tout ça, et ainsi de suite. Voyez, je me repens. Je me repens, je me condamne et je me repens. Devant Dieu, Job vaut zéro. Il voit sa petitesse, sa petitesse. L'homme le plus sage peut-être de sa génération, l'homme le plus riche de la terre, je me repens. Vous savez, la souffrance, quand vous souffrez vraiment, et que la souffrance est continuelle, et que vous dormez 2-3 heures par nuit, ainsi de suite. Voyez, la souffrance aide un homme à prendre conscience de ce qu'il est, vraiment. Beaucoup de personnes autour de la terre sont venues au Seigneur à cause de leur souffrance. C'est la souffrance qui les a poussés vers Jésus. Si les souffrances sont fortes et pénibles à supporter, elles deviennent une vertu. Elles deviennent une vertu parce que Dieu les permet. Et Dieu le sait. Et il connaît l'intensité de la flamme. Hein, et il va laisser monter la flamme jusqu'à ce qu'il connaît notre point de saturation. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Il était peut-être le personnage politique le plus en vue de son époque aussi, le plus puissant. Le Dieu puissant et digne d'adoration a permis à Satan de l'attaquer jusqu'au fond, je dirais, à la moelle de ses os. Que de personnes qui ont passé par la vallée des pleurs, la vallée de Baca, et qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps, et qui ont déclaré en sortant de la vallée, Dieu m'a soutenu. Dieu m'a soutenu. Alléluia. Je peux m'appuyer sur lui. J'ai senti au fond de la vallée le battement du cœur de Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Dieu me suffit. Il me reste Dieu. J'ai pas grand-chose, mes amis m'ont quitté, plus personne ne veut me voir, ainsi de suite. Mais j'ai Jésus pour me relever. Hallelujah. Je n'ai que Jésus, mais il est le meilleur pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance. De sa puissance, il m'a rempli. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes et mes batailles, mes combats, il me soutient. Il m'a soutenu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous avez entendu parler des souffrances de Job. J'aimerais parler maintenant d'un autre cas. Un cas, c'est un aveugle de naissance qui a été totalement guéri par Jésus dans Jean chapitre 9. Vous savez, à première vue, la souffrance est inexplicable. Elle vous arrive comme un cheveu sur la soupe. Voyez. Mauvaise nouvelle, ça peut arriver par la poste, ça peut arriver par toutes sortes d'endroits, diagnostic d'un médecin, ainsi de suite. Voyez. Ici, cet aveugle, dans Jean chapitre 9, a subi une épreuve plus longue que celle de Job. Plus longue. C'est un aveugle de naissance. Il est maintenant adulte. Et pour la théologie juive, aveugle,
c'est un jugement de Dieu. S'il est aveugle, c'est parce que Dieu l'a jugé. Et la question qui va être posée à Jésus par rapport à cela, c'est les disciples, Rabbi, qui a péché ? Tout de suite, l'homme est aveugle et on relie donc cette souffrance à un péché. Qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? C'est une grande question. Qui a péché ? Ils ont relié cet état de choses à un péché. Et Jésus va répondre, quoi ? Verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, en le guérissant. Donc ce n'est pas une question de péché. Pour eux, à leurs yeux, la souffrance physique découlait quelque part de quelque péché. Comme les amis de Job ont essayé de lui dire. Lui, c'est lui ou bien ses parents qui ont péché. Ils ont dit non, c'est ni lui ni ses parents. Ça a été préparé par Dieu depuis sa naissance pour qu'il soit, que cet homme soit un instrument de la révélation de la puissance de Dieu. Pour que les œuvres de Dieu soient révélées au travers de cet homme. Pour que le jour où le Fils de Dieu passerait sur son chemin, le Seigneur puisse lui toucher les yeux et qu'il soit guéri en un instant. C'est pour cela. Jésus devait donner donc la preuve de ce qu'il était. Qui était-il ? Dieu le Fils. Le Créateur, le Rédempteur, le Sauveur du monde. Et il avait dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, le Libérateur d'Israël. Il était arrivé dans la synagogue à Nazareth, il avait déroulé le rouleau des Écritures et il avait trouvé l'endroit dans Ésaïe 61 où il est dit « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a choisi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur, donc brisé tout ça. » Et il avait roulé ensuite le livre et il avait dit « Aujourd'hui, cette Écriture vient de s'accomplir, c'est moi. » Ils ont voulu le jeter en bas, ils l'ont tiré au bord d'une falaise et voulaient le tuer, vous voyez. Mais c'était lui, Jésus. Il avait dit qui il était. Et il plaçait son autorité au-dessus de celle de César. Il avait promis le pardon des péchés à tous ceux qui se confiaient en lui. Les gens l'entendaient. Ils l'entendaient. Tes péchés sont pardonnés. Il se prend pour qui ? Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Vous avez raison. Mais Dieu était là. C'était lui. Vous voyez ? La femme prise en adultère va et ne pêche plus. Il pardonne ses péchés. Mais il se prend pour qui ? Vous voyez ? Un petit homme, un petit jeune homme, pardonne les péchés. Oui. Mais ses prétentions et son accréditation ont été visibles par les œuvres qu'il accomplissait. Ce sont les œuvres qu'il accomplissait. On va le lire, si vous voulez bien, dans Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 36. Jésus parle de Jean-Baptiste, et ensuite il va dire, verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, Jean-Baptiste. » Pourquoi ? Parce que les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Gloire à Dieu. Les œuvres. Amen. Hallelujah. Guérit les malades, les paralytiques, il multiplie le pain, il marche sur les eaux, il calme la tempête, il est au-dessus de la nature, il est puissant, que dis-je ? Il est tout puissant, almighty, hallelujah, gloire à Dieu, hallelujah.
Et donc, en guérissant les boiteux, en guérissant les sourds, les aveugles, en ressuscitant même des morts, voyez, Jésus a prouvé qu'il pouvait guérir les pieds chancelants des pécheurs, qu'il pouvait guérir ceux qui étaient sourds à la parole de Dieu, qui étaient capables d'ouvrir leurs oreilles, qu'il était la lumière du monde. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Hallelujah. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Hallelujah. Gloire à Dieu. Elle était la lumière, amen, la vie du monde. Hallelujah. Gloire au Seigneur. À lui soit toute la gloire. Et là, l'homme qui était né aveugle, et donc, ce n'était pas la conséquence d'un péché particulier, hein, ou des parents, donc, mais c'était de permettre à Jésus de manifester sa puissance aux yeux de sa génération. Alléluia. Et les gens ont dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas faire des choses semblables. Amen. Donc, c'est ce que les gens déclaraient à son sujet. Alléluia. Donc, j'aimerais donner un exemple encore donc de souffrance. C'est l'apôtre Paul. On va le lire, tu le lis bien, dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Verset 7, Paul va dire, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, me gifler, et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur, de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul conclut en disant, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous avons quelque chose ici de très, très particulier. C'est que Paul va se défendre, il va faire l'apologie donc de sa situation devant ses accusateurs. Ses accusateurs l'accusent de paresse, d'orgueil, de propre gloire. Vous voyez, oh Paul, il se vante, tout ça, oh Paul, si, ça, Paul, ça, ainsi de suite. Donc, et on sait que Paul avait reçu de Dieu des révélations qu'aucun homme n'avait eues. Des révélations merveilleuses et glorieuses. Et il a été donc un instrument aussi pour révéler donc l'évangile aux autres. Hein. Et là, il va déclarer, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. On sait qu'il a vu le Seigneur trois fois. La première, sur le chemin de Damas, est apparue. Ensuite, une fois dans le temple. Ensuite, donc, quand il était dans la forteresse Antonia. Donc, le Seigneur aussi lui a dit, de même que tu as été témoin à Jérusalem, tu seras témoin de moi à Rome. Donc, il avait des révélations, il a eu plusieurs révélations. Rappelons-nous que Salomon, le grand roi Salomon, a eu deux apparitions du Seigneur. L'apôtre Paul, trois, imaginez. Donc, il aurait pu dire, hey, hey, les gars, vous en faites pas sur moi, tout ça, hein, vous me calomniez, tout ça, allez-y, ça me fait rien. Non, ça lui faisait quelque chose. Hein. Et il aurait pu se dire, quelle révélation vous avez eue, là, allez-y. Hein, moi, j'ai vu le Seigneur, hein, pas toujours, moi, j'ai jamais vu le Seigneur, mais en tout cas. Hein, et Paul l'avait vu, il dit, j'ai vu le Seigneur, il m'est apparu, il m'a dit ceci, cela, hein, et c'est vrai. Donc, tout ça. Et vous, est-ce que vous l'avez vu? Il aurait pu se vanter. Il aurait pu s'enorgueillir de toutes ces grandes révélations. Imaginez.
Quand vous avez un gars qui part de la terre, qui monte au ciel, tout ça, là, il ne sait même pas si c'est avec son corps ou sans son corps. Puis là-haut, dans le paradis, il entend des choses merveilleuses, puis il redescend sur la terre, tout ça. Puis on lui pose la question, on dit, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu là-haut? Tu sais, je ne peux même pas vous le dire. C'est inimaginable, inimaginable, c'est glorieux, ça, c'est... Quand vous avez un gars comme ça, imaginez qu'il vient de prêcher ici à l'église, tout ça, hein, Paul, moi je descends en bas, tout ça, puis je ne me mets pas ici en avant, je me mets à l'arrière au fond, parce que c'est toute une tête, tout un gars béni, ainsi de suite, donc de la part du Seigneur. Il aurait pu s'enorgueillir, voyez, de toutes ces révélations, hein, mais pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. C'est lui qui avait dit, je suis le pire des pécheurs, hein, on se rappelle dans 1 Timothée, le pire des pécheurs, le plus petit des apôtres, hein, il aurait pu tomber dans ce péché d'orgueil, comme Satan, Lucifer, hein, qui est tombé dans l'orgueil. Hein. Alors pour ne pas tomber dans ce péché, toc, une écharde dans la chair, pif, paf, un ange de Satan vient de gifler. Une écharde dans la chair, il devient complètement dépendant de Dieu. Complètement dépendant de Dieu. Il souffre et il est constamment giflé à cause de cette écharde qu'il a dans la chair. C'est une souffrance dans son corps qu'il porte, pénible, dure à supporter. Et à cause de tels tourments et qui durent depuis si longtemps, il a prié 3 fois. Pour que cette chose-là, dans son corps, s'en aille. Cette écharde de son corps. Une écharde, il appelle cela une écharde, voyez. Et la requête est refusée. Dieu dit non, l'écharde s'en ira pas. Donc la requête est refusée, premièrement pour échapper à l'orgueil, pour le garder humble. Hein. Satan s'est rebellé par orgueil, n'oublions pas. Donc, Dieu se servait beaucoup de l'apôtre Paul et Dieu ne voulait pas le voir succomber à ce péché d'orgueil. Deuxièmement, Dieu le dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu pouvait montrer à Paul que sa grâce était suffisante. Peut-être était-ce une faiblesse physique que Paul avait sur son corps. Rappelons-nous qu'il avait toujours Luc avec lui. Quel était le métier de Luc ? Médecin. Médecin. Et on sait que Paul avait toujours Luc, le médecin, avec lui. Hein, et il va dire, il va écrire un jour aux Galates, « Voyez avec quel gros caractère je vous ai écrit. » Certains pensent qu'il avait un problème aux yeux. Voyez. Et il écrivait avec des grosses lettres. Peut-être, vous voyez. Ma grâce te suffit. Avait-il une maladie des yeux qui a duré beaucoup d'années? Il avait toujours besoin donc de quelqu'un pour lui indiquer le chemin. Il ne voyageait jamais seul. Il n'était peut-être pas aveugle, mais il y a un problème avec les yeux, hein, oculaires. Et donc, même à un moment donné, sa situation a été tragique en prison parce qu'il va dire, écrire à Timothée, « Tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Hein, Timothée, viens au plus tôt vers moi. » Il avait toujours besoin donc d'avoir quelqu'un à ses côtés. Lorsqu'il faisait ses voyages missionnaires, jusqu'à 65 ans environ, hein, eh bien, il passait des cols, il marchait à travers des montagnes, le Taurus par exemple, la Turquie d'aujourd'hui à 3000 mètres d'altitude, imaginez, donc toujours enneigé, il a fait des naufrages, il est resté des heures et des heures, un jour et une nuit dans l'abîme, c'est-à-dire dans l'eau, à grelotter, proche de la mort, tout ça, ainsi de suite, en péril parmi les faux frères, il raconte tout cela dans des jeûnes multipliés,
fille, et ainsi de suite. Donc on peut comprendre qu'il était faible et il avait peut-être dans son cœur une infirmité. Mais il ne s'est jamais arrêté. Il a continué, malgré la souffrance qu'il supportait. Et son infirmité, eh bien, était quelque chose que Dieu permettait, et la grâce du Seigneur était suffisante. Alors, il voulait le démontrer. Et il va dire, pour que la puissance de Jésus repose sur moi. Pour que la puissance de Jésus repose sur moi. Quand je suis faible, physiquement, c'est là que je suis fort. C'est là que Dieu se montre dans sa force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il avait une sorte d'infirmité. Hein, donc, il devait dépendre constamment sur le Seigneur. Et la puissance de Jésus, à ce moment-là, était avec lui. Il ne pouvait rien faire par lui-même, mais il fallait que Dieu soit avec lui. Vous vous rappelez Jacob, quand il a combattu contre l'ange, comment ça s'est terminé? Avec quelqu'un qui boitait. Dieu a démis sa hanche. Et jusqu'à sa mort, il avait son bâton de marche, même à côté de son lit, hein, avant qu'il monte sur son lit pour mourir, il avait son fameux bâton parce qu'il avait besoin de ce bâton, hein, pour marcher. Alors, merci Seigneur pour nos hanches démises. Merci Seigneur pour nos infirmités. Merci Seigneur pour nos faiblesses physiques. Ça nous garde loin de l'orgueil. Ça nous garde loin, je dirais, de tout ce qui pourrait déplaire au Seigneur. Vous savez, un morceau de fil de cuivre, hein, ça peut être plié, vous pouvez le tordre comme vous voulez, hein, il n'y a aucune résistance. Mais si ce morceau est associé à un morceau de rail de chemin de fer, sa force, la force du fil ne change pas, mais on ne peut plus le plier, on ne peut plus le tordre, parce qu'il est entouré, associé à une raille de chemin de fer. Le même morceau de cuivre est uni à une matière plus résistante que lui. Et nous sommes unis à un rail puissant d'acier qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. L'enfant de Dieu, comment réagit-il? Je termine. L'apôtre Paul a accueilli avec joie toute nouvelle épreuve. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le maître sculpteur connaît la résistance du matériel avec lequel il travaille. Hein? Il y a des pièces fragiles. Et il connaît celui qui peut supporter une grande souffrance et ceux qui se laissent abattre pour un rien. Considérez mes frères comme un sujet de joie complète. Toutes les épreuves auxquels vous pouvez être exposés. On n'a pas encore vu cela sous cet angle. On est ignorant. Considérez comme un sujet de joie complète. Alors, c'est bien écrit complète, joie complète. Comment ça peut être cela, voyez? Plus la souffrance est grande, quelqu'un va dire, plus le péché, cette personne est grave. Non. Nous devrions dire, plus le matériel est solide, plus l'épreuve sera dure. Ceux qui ont porté le plus de fruits pour Dieu sont ceux et celles qui ont été le plus éprouvés. Une pierre sans valeur, hein, ne passera pas par tout le processus qui est imposé à un diamant. Et nous sommes des diamants.
il y a des processus pour qu'à la fin, le maître joaillier dise « Regardez ce beau diamant. Il l'a travaillé. Il l'a cassé ici. Il l'a mis sur... Il l'a poli. Il y a eu de la poussière. Il l'a chauffé, et ainsi de suite. » Mais une pierre normale, elle ne passe pas par tout ce procédé. Mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu souffriras, sache que la main du potier est sur ta vie. Il est en train de te placer sur le tour. Il est en train de former un vase d'honneur pour sa gloire, un diamant sur sa couronne. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. C'est le Saint-Esprit, Père, qui nous aide à comprendre, à réaliser que tu travailles dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions nous tourner continuellement vers toi. Qui n'a pas son calvaire? Qui n'a pas son Golgotha? Qui n'a pas son Morija? À l'heure du sacrifice, quand notre front se plisse, quand nous se livre un combat, quand l'obstacle se dresse devant nous effrayant, quand notre cœur est en détresse, alors Seigneur, nous voulons te dire, tu pourras compter sur moi. Seigneur, je veux te servir jusqu'à la fin et jusqu'au bout du sentier. Merci Seigneur, merci de me garder. Merci de ce que ta grâce me suffit et me suffira jusqu'à la fin du voyage. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen, amen. Gloire à Dieu.